my first question is about shooting and the kind of landscape that Tonnerre in this time of year, plenty of snow. First of all, where is this exactly? Is it, I think it's in Burgundy, but... Yes, right. It's a small town 2 hours from Paris in Burgundy, and it's a very small town that I know for a long time, with a very strange atmosphere, little almost gothical atmosphere. Yeah. And I wanted to film it for a long time. I had no guarantee that would be snow, and if I had shot this movie 1 year later, that would not have been any snow. but I was very lucky, and I think that some movies are lucky with the weather, some others are not, and this one was really lucky. And snow sometimes happened even in sequences I didn't imagine, like for instance at the dance lesson, when the snow falls in the hair of the character, that was a small miracle. It happened like that, and I think the sequence wins a lot with that. The best things about when you're filming is are those little accidents, I guess. When you're maybe not yeah. expecting. I love very much the accidents. Enfin, la neige est un peu comme le sentiment amoureux, qui a quelque chose de possiblement éphémère, et que il y a toujours cette crainte que la neige fonde, comme il y a cette crainte que le sentiment amoureux s'envole et enfin disparaisse. Et je pense que ça, cette dimension météorologique contribue à faire ressentir la dimension éphémère comme ça des sentiments, et la fragilité des sentiments. Et ça arrive, et ça repart, et ça arrive comme ça sans prévenir. It's very poetic. I'm going to steal that from you someday. I'm going to use that. Il va te voler cette phrase, c'est très poétique. Okay, so I mean, it's a wonderful script. You wrote the script, right? Yes, with a friend of mine. Yes, not alone. Yeah. The relationship I love between the father and the son, they're both dealing with loneliness in their own ways. Is that autobiographical, or maybe your co-writer experienced that, or where does that come from? Il y a des tas d'éléments très personnels dans le film, d'ailleurs y compris dans des tout petits détails, en fait. Et c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai travaillé pour la première fois, jusque-là je m'en occupais plus ou moins seul, là j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'occupait des accessoires et de la décoration, et qui me disait, parce que j'avais toujours besoin de que dans les plans, ce qu'on voit, les petits éléments de décoration et une charge émotionnelle pour moi soient liés à des éléments de mon histoire, etc., et que ce ne soit pas purement utilitaire ou signifiant, mais qu'il y ait une charge comme ça très personnelle, en fait. Et du coup, la décoratrice me disait, en fait, pour pouvoir travailler vraiment avec toi bien, il faudrait pouvoir lire ton autobiographie avant de faire le film. Donc il y a évidemment des tas d'éléments personnels dans le film, mais il y a aussi toute une part qui est complètement fantasmée, complètement fictionnelle, évidemment. Et ce qui m'intéressait, c'était justement que le film aille beaucoup plus loin que ce que j'avais pu vivre, moi, dans ma propre vie, en fait. Et d'essayer d'imaginer tout ce qui pouvait se passer après le moment où moi, mais aussi sans doute la plupart des spectateurs, parce que je pense que la plupart des spectateurs ont vécu ce type d'histoire passionnelle, obsessionnelle, essayer d'explorer ce qui peut se passer après le moment où on s'arrête, généralement, et après le moment où, généralement, on renonce. Donc le film a toute une part comme ça qui est en fait du fantasme pur ou de la fiction pure, en fait. Ouais.